100% CO présenté par Sudauto. We nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Excellent. Jeudi soir, bienvenue, 100% CO, comme tous les jeudis, 19h, 19h30. C'est votre rendez-vous pour euh, tout savoir sur le castro Olympique. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Bon bah, Terminé la Coupe d'Europe pour le CO cette année. On ne verra toujours pas les quarts de finale. C'était compliqué dans une poule très dense, très serrée, avec le Munster Exeter qui marche sur l'eau depuis 3 ans, Gloucester qui reste solide. Alors ce CO était peut-être un petit peu juste pour se dépatouiller de cette poule de la mort. On retiendra un match référence à domicile contre contre Exeter, une victoire au courage contre le Munster, et on espère finir en beauté, rester invaincu à domicile sur la scène européenne avec une victoire samedi contre Gloucester. Pour en parler, nous recevons Tyler Paris. Salut Taylor. Bonjour, salut. Et Johan Domenech. Bonsoir Johan. Bonjour. Alors d'abord le bilan européen avec vous. Fin de l'aventure européenne. On l'a dit comme l'an dernier, Castre qui passe pas loin. Il a manqué. Euh, Quelques petites choses. Taylor, qu'est-ce qui vous a manqué peut-être euh, cette année? Oui, c'est sûr qu'on n'a on pas passé loin de, de la qualification, mais euh, comme on disait au stade, la fenêtre de, de tir pour nous était hyper, hyper serrée après la victoire de, de Munster à Gloucester avec le bonus. Donc, euh, il fallait faire quelque chose à Exeter, malgré une un performance. Euh, engagé, uh, Exeter ils étaient quand même niveau au-dessus de nous ce, ce match-là et... On va ce qui se passe avec eux et Munster ce week-end pour les qualifications. Ce qui est, est quand même regrettable avec cette Coupe d'Europe, c'est que le castre olympique a été champion de France hein, et que le champion, euh, le CO, euh, est tombé euh, dans cette poule. Hein, C'est-à-dire que tu es, tu es champion ou tu termines sixième, euh, c'est un petit peu euh, aléatoire. Et euh, là, il y a le Munster qui est qualifié tout le temps pour les quarts de finale, euh, voire des, des demi-finales, hein, qui a un palmarès quand même prestigieux. Euh, là, tu tombes avec, quand même, Exeter qui est, qui est premier, deux défaites seulement dans, dans la championship. Enfin, voilà, on et on doit quand même parler de cette poule de la mort après euh, poule de la mort oui mais si tu regardes les autres poules tu peux dire que c'est aussi les poules de la mort dans l'Europe il y, y, y a plus de matchs faciles quoi oui mais on voit des équipes lâcher vite on voit bah, Gloucester a lâché mais etc n'a pas lâché on voit dans notre poule que euh, Toulon a lâché que que, que, que d'autres équipes lâchent et du coup bah ça ça quelque part ça c'est peut-être pas forcément juste pour les équipes qui, qui, qui jouent le, le, le coup jusqu'à la, l'avant dernière journée de, de championnat. Après, c'est le, c'est le sportif de haut niveau, c'est, c'est pas toujours juste. Donc, c'est, euh, c'est comme ça, tu, tu tombes sur Monster, tu tombes sur Exeter, tu as, as Monster qui fait match New Exeter, t'as Exeter qui bat Gloucester chez eux, t'as ouais. Gloucester qui bat Exeter chez eux, c'est, un pool un peu, euh, inattendu, quoi, avec tous les outils qui se passaient, mm. mais, euh, c'est l'espoir c'est pas juste quoi, parce que si, si Gloucester vous les prenez pas sur le premier match ils sont déjà éliminés c'est pas c'est pas la même configuration ouais, euh, c'est voilà. toujours facile de re ouais, mais... donc... <rire> <rire> Johan ça va vous servir ça, ça sert au groupe pour le reste de la saison ce, ce parcours européen où on y aussi beaucoup de jus d'un côté donc pour la suite c'est quoi c'est positif c'est compliqué non non je pense que c'est positif après nous on s'était fixé vraiment de la de la jouer à fond de viser un quart de finale après voilà on sait que euh, qu'on a plus euh, l'accès au quart de finale donc là, notre objectif euh, principal c'est de finir second et de finir en beauté cette compétition et bien sûr de préparer la, la venue de Clermont la semaine prochaine. Alors justement, ça on en parle avec la réception de Gloucester l'enjeu évidemment, tu le disais euh, bien finir, envie aussi peut-être de regagner à domicile euh, on rappelle ces deux défaites sur les trois derniers matchs, euh, top 14 et, et coupe d'Europe confondue, le CO, il y a cette euh, peut-être pas cette urgence là, mais en tout cas cette nécessité de, de gagner devant ses supporters. Oui, oui c'est sûr, il faut il faut renouer avec avec la victoire contre Gloucester samedi et comme je l'ai dit pour finir un beau test de compétition et, et et voilà il y aura il y aura pas mal de turnovers dans l'équipe donc ça va donner aussi de la euh, du temps de jeu à ceux qu'on ont pas trop comme, comme moi donc euh, donc c'est bien Gloucester, qui a du mal à se déplacer un petit peu comme le C.O. Hein, en Coupe d'Europe avec un, un bilan assez euh, mitigé. Hein. On rappelle que c'est ce, euh, ce qui a fait que, que Castres n'est pas allé plus loin. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il, il manque quand même une victoire. Il faut au moins une, une voire deux victoires à l'extérieur pour se qualifier. Bah, c'est sûr, c'est tout toutes tout, tout les équipes qui vont se qualifier, euh, il faut gagner à l'extérieur. Trois matchs euh, gagnés à la maison, trois défaites à l'extérieur, ça, ça suffit pas. Euh, donc euh, il faut faire comme Monster, il faut faire comme Exeter, il faut gagner à l'extérieur. Mmh. Et on l'a vu hein, du coup, hein, je crois que le, la stat c'est la dernière victoire à l'extérieur en Coupe d'Europe pour le CO, c'était en Challenge européen euh, à Pau, hein, me semble-t-il. Hein, Cyril euh, Ouais, Et on, on, dans la Grande Coupe d'Europe, la dernière victoire du, du CO, c'est à Glasgow, c'était euh, sous l'air, travers la bite. C'est une victoire 9-6 à Glasgow, ça devait être en 2013, 2012-2013, donc ouais, <laughs> ça, 2012, ça remonte. Hein. remonte. Est-ce qu'il y, est qu y a des regrets euh, pour vous euh, finalement, avec cette Coupe d'Europe, est-ce que vous vous dites, euh, on est tombé sur une poule qui était très très compliquée. On peut encore finir deuxième. Ce serait quand ouais. même, ce serait bien malgré l'absence de calife Ou est-ce que vous vous dites, on aurait pu vraiment sortir. Qu'est-ce qui reste Parce oui, que voilà, il peut, il peut y avoir des regrets parce qu'au final, à Gloucester, on perd mais on, on a, on a le match à main quoi. et et comme l'a dit Taylor, si on veut se qualifier, il faut, il faut une performance à l'extérieur. Et, et je pense qu'on qu aura des regrets, quoi, parce que malgré la, euh, comme vous dites, la poule de la mort, il y avait quand même la possibilité de, de, de se qualifier. Et on a, on a su montrer de, de belles choses durant cette, cette compétition. Ouais, en cas de victoire euh, samedi contre Gloucester, c'est vrai qu'au niveau du, du classement, niveau comptable, euh, vous finirez pas si loin. Ce match, tu le disais, Johan, il doit aussi servir à préparer clairement Écoutez, ce qu'en dit Fred Charrier. Évidemment, sur, euh, déjà pour, pour, pour l'effectif, pour avoir euh, plus de monde sur le pont, euh, capable de postuler, avoir, faire une, créer une émulation dans l'équipe euh, et surtout euh, continuer à, à avoir euh, de, des, des matchs assez rythmés comme on peut avoir en la top 14, euh, comme on peut avoir la Coupe d'Europe et euh, qui vont nous servir pour le match de Clermont, une équipe qui met beaucoup de rythme euh, dans le jeu. On a aussi de votre côté, on y pense déjà forcément. À Clermont, ce sera presque un, presque un tournant de de stop 14. Ils arrivent très en forme et pour vous, ça bah, fera plaisir à Christophe Furious, hein. Furious le tournant. Mm -hmm. ouais. Mais euh, voilà, cette grosse équipe de la SM qui arrivera chez vous et il faudra être prêt. Bah, bah c'est sûr ASM cette année c'est c'est l'équipe en forme ils font des matchs à la maison ils font des matchs à l'extérieur ils, ils vont pas tout pour gagner et, uh, ils vont venir chez nous pour gagner mais comme tu dis nous on est à un moment uh, incontournable un moment uh, très très important dans notre saison c'est on peut plus se permettre de perdre la maison et là ça va commencer avec uh, clairement le, le week-end prochain c'est le sparring partner idéal Gloucester une équipe qui, qui joue hein, des équipes anglaises qui, 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 qui jouent qui mettent du, du rythme on l'a vu hein, clairement c'est ça hein, c'est à dire que ça n'arrête pas il euh, y, y a beaucoup de, 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 de phases de jeu est-ce que finalement c'est le bon adversaire pour préparer euh, clairement Oui je pense que ça va être euh, ce match Gloucester vraiment va nous permettre de, de rentrer dans le bain pour, pour Clermont parce que voilà ils ont un style de jeu à, à peu près identique c'est que comme, comme vous l'avez dit pardon, il y aura beaucoup de rythme donc c'est sûr que ce match il va nous servir pour, pour Clermont quoi. et Clermont a préparé de la même manière parce que Clermont qui évolue qui en challenge européen là aussi s'est hein, servi de, de cette compétition pour préparer le top 14 hein. ah bah, ils vont arriver en ayant ciblé le, le déplacement à Castres 100% CO avec Tyler Paris et euh, Johan Domenech je voulais qu'on parle du, du, jeu de, du, du jeu vraiment en, en Coupe d'Europe écoutez d'abord ce qu'en dit votre coéquipier Martin Laveau. Ouais, franchement ouais, c'est des matchs euh, à la, à la vitesse de jeu est je pense c'est exceptionnel quoi. C'est euh, dans chaque équipe, il y a des internationaux et c'est. Euh, moi j'ai trouvé ça, j'ai franchement j'ai adoré et à jouer c'est énorme. Et même quand euh, quand on est spectateur, quand on regarde, euh, quand on regarde les matchs à la télé de, de Coupe d'Europe, euh, on voit la, la vitesse du jeu. Enfin, on se régale. Enfin moi en tout cas, je sais pas vous, mais moi je me régale à voir les, les matchs à la télé. Ça joue de partout et euh, l'intensité, euh, l'intensité qu'il y a est impressionnante. Ouais. Taylor, euh, le jeu en, en Coupe d'Europe, surtout pour un ailier, j'imagine, on voit quand même, il y a plus de ballons à l'aile en Coupe d'Europe qu'en Top 14, d'une manière générale, c'est un, un, un jeu, toi, qui te, qui te plaît, qui, qui, qui fait un peu rêver Après oui, là, tu a tout à fait raison, Martin, que euh, la beauté de la Coupe d'Europe, c'est que tu as, as les meilleures équipes avec les meilleurs joueurs qui, qui s'affrontent, qui quoi. Donc forcément, ça va, ça va produire un, un niveau de jeu. Euh, plus élevé, mais ça se voit avec le temps de jeu du match, les ballons joués, tout ça, ça se voit dans les statistiques, mais comme il dit Martin, juste avoir, c'est autre chose, quoi. Et surtout pour, 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 pour faire partie de ces matchs, c'est des. Pour un moment à vivre en tant que joueur, et je suis sûr en tant que spectateur, c'est la même chose aussi. C'est des bons matchs à voir. Est-ce que c'est révélateur avec le, le tournoi Destination qui va, qui va démarrer On prend l'exemple le, le week-end dernier où Toulouse prend 30 points chez les Irlandais vous prenez 30 points chez les Anglais, euh, le Racing prend 30 points, enfin perd euh, au Pays de Galles. Euh, est-ce que ce tournoi destination euh, va refléter euh, le niveau qu'il y a entre le championnat français et, et, et les autres C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on est qu va souffrir dans ce tournoi, à votre avis Ça, je ne sais, sais pas vraiment, mais, euh, mais c'est vrai qu'après, les, les équipes... Euh, anglo-galloise et tout ça, cible vraiment cette compétition. On voit par exemple par l'équipe par du Munster, euh, le, leur cadre qu'on remerrait tout ça, sont un peu laissés au repos durant le, leur championnat Pro 14. Et du coup, après, euh, durant la euh, la Champions Cup, il voilà, y Et le mettent, tournoi aussi, parce et que... Et le tournoi. Mmh, mmh. Donc voilà, c'est vraiment ces deux compétitions que que cible les équipes, on va dire, étrangères. Ou quoi. Et surtout, ils arrivent, enfin, euh, vous me dites, hein, si, si... je n'êtes pas d'accord, mais ils arrivent vraiment sur cette période-là, euh, janvier, février, au top de leur forme, on avait vu les, les Irlandais à Toulouse, peut-être physiquement être un peu moins bien, là on a vu une, une machine de guerre, on a vu, Exeter aussi pendant hein, 80 minutes, ça a ça cogné, ça, ça fait mal, non euh, ouais ouais c'est vrai que euh, co comme je vous l'ai dit les euh, et l'Irlande les euh, les euh, pardon les, les équipes irlandaises comme le Leinster, Munster et tout oh, ça les, euh, mmh. les internationaux sont laissés au repos on va dire durant la saison et après euh, quand euh, quand il y a les moments qui arrivent comme la Champions Cup et et, euh, et le tournoi, donc ils sont en pleine forme et ils jouent moins de matchs aussi que nous en Top 14. Donc c'est plus facile. Une dernière question sur le sur le jeu. Quand on voit, je pense au, au jeu pratiqué par Exeter la semaine dernière, mais on l'a vu à l'aller. Vous aviez su aussi vous mettre largement au niveau quand vous les aviez reçus. Ça avait été un des plus beaux matchs de la saison. C'est un type de jeu que vous aimeriez pratiquer en, en en Top 14, que dans le championnat français, il y a peut-être plus cette volonté de de jouer à tout prix et peut-être un peu moins d'être dans le dans le combat de l'affrontement comme moins de vidéos non mais c'est l'évolution de ces dernières années c'est un jeu que, que vous préférez vous ce, ce jeu de la coupe d'europe <laughs> après euh, je pense euh, ça dépend à qui te demande quoi mais c'est sûr en, en tant que 3k euh, d'envoyer de jeu c'est ouais. ce qu'on aime mais après il faut pas non plus envoyer de jeux jeu de partout pour pour rien euh, même si exter ils envoient des jeux de jeux de, jeu de partout ils mettent des phases ensemble euh, même le match chez eux, ils quand ils étaient dans le camp, ils tapaient quand même à pied, ils faisaient des sorties de camp aussi, mais ils jouaient des, des bons coups, de bons moments, et c'est ça qu'il faut que on arrive à mieux faire aussi, parce que nous aussi on peut on peut mettre des phases ensemble, mais il faut juste choisir des moments et choisir des des parties de terrain quand il faut le faire. 100% CO, on arrive à la moitié de cette émission. 100% CO! Avec le nouveau Citroën Berlingot, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingot, disponible chez Sud Auto dernière ligne droite 100% CO en ce jeudi 17 janvier euh, Castre Gloucester ça sera à suivre évidemment sur 100% hein, ce ce samedi antenne à 18h au stade Pierre Fabre avec le le Chanoir hein, Brice Vidal et, et Alain Gaillard heureusement pour pour poursuivre pour cette pour euh, contre rencontre exactement Johan Domenac Taylor Paris avec nous alors on passe au questionnaire 100% pas à obligé chez nous le questionnaire 100% c'est les questions que personne ne se pose nous on vous les pose Taylor quel est le geste que tu trouves le plus beau sur un terrain de rugby la geste que je trouve le plus beau, ouais. ce qui te fait le, le plus rêver, là. la chistera, le 4 dev, la prise d'intervalle, c'est quoi pour toi le, le, le meilleur geste Quand Benji met une pénalité, il fait son célébration <laughs> en revenant. J'adore, <laughs> c'est beau. Johan, si tu n'avais pas été demi-mêlé, quel autre poste t'aurais fait rêver demi ouverture J'ai déjà commencé, enfin, commencé le rugby à ce poste-là et c'est vrai que j'ai jamais ce ce poste. Et c'est quoi c'est c'est le gabarit qui fait qu'on vous pousse après euh, 2000 mêlé parce que euh, oui, c'est vrai qu'après euh, au niveau du du gabarit euh, bon Benji il est il est pas non plus très très grand et <laughs> mais euh, mais c'est vrai que moi c'est c'est plutôt le le gabarit qui m'a poussé vers vers non, le poste de voilà. Le... On le voit avec euh, notamment des joueurs du, du Stade Toulousain, enfin que vous avez connus à Castres, hein, Dupont qui était qui était formé en 10, qui passait en 9, euh, mm. et, et même l'arrière hein, du, du Stade Toulousain, c'est vrai que une fois que le, le niveau s'élève et que niveau peut-être musculature, il faut être en 10, premier défenseur aussi de la troisième ligne qui arrive, c'est un petit peu pour ça du coup. Ouais, ouais après mm. après il y en a tout simplement qui qui ont goûté le poste de de 10 et qui veulent passer au poste de 9. Euh c'est vraiment aléatoire Taylor lequel de tes coéquipiers est le plus bosseur le plus bosseur ouais. il y en a quelques-unes il y a celui à côté de moi Yohan <laughs> Dominic il est toujours en train de faire euh, des, des extras je ne sais pas comment dire en français oui, oui, ta euh, tu as, as Baptiste Delapour aussi euh, c'est vraiment un bosseur et ça se voit avec son, son, son jeu ce un an et demi ça fait que euh, son niveau ça fait que euh, monter et euh, oui, eux deux, pour moi. Ça correspond à ce que vos, vos coéquipiers qui sont déjà venus nous, nous ont dit. Yoan Et Yoan les, les non On oh ne poserait jamais non, la non, question. Johan, hein. lequel de tes coéquipiers est le plus chambreur à l'entraînement Le plus chambreur hmm... Il ouais, y en a plein. <laughs> Mais euh, le plus chambreur, il ouais, y a Ludo Rado, qui est pas mal chambreur. Euh, Benji... Mmh, Camille aussi aime bien. Euh, Camille Nati aime bien aussi chambray, mais mais voilà c'est. Ça reste à gentil. Ouais. <laughs> Taylor attention question gastronomique, question terroir. T'es plutôt euh, pruneau d'Agen ou melsat de Castres Alors melsat c'est quoi melsat Ah, ah bah, attention non non mais je savais je savais qu'il y avait un piège. Le melsat tu c'est sais, cette espèce de, 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 de euh. boudin blanc charcuterie euh, de, de, de charcuterie castraise, Ils, ils t'ont pas encore fait tester le melsat. Ouais, non, non. Bon, bon. mais Mel Sad pour, pour Taylor Paris, euh, des... en fin d'émission. En fin d'émission, on va, faire, on, faire, on va te goûter, trouver ça. En général, ça se mange pas avec euh, le pruneau. Hein, oui, non, pas. ça ne se mélange pas. Et avant les matchs de rugby, on essaye d'éviter. <laughs> Johan, est-ce qu'un demi de mêlée, ça doit obligatoirement être un type pénible euh, Ouais, il faut qu'il qu ait un peu ce côté pénible, mais... Euh, mais ouais, ouais. Ouais, je dirais plutôt oui. <laughs> Taylor, le pire pour toi, euh, c'est prendre un, un 4 deb par l'Eli adverse ou prendre un Q par le pilier adverse <laughs> Bah j'espère ni l'un ni l'autre, mais c'est sûr que ça va être dans une carrière. Euh, mais je pense que c'est plutôt prendre euh, un 4 deb par l'Eli adverse. Il ne faut, il faut pas ça. Au moins ouais, on peut se relever parce qu'après... Euh... <laughs> <laughs> Johan, c'est quoi le plus gros défaut de Taylor mm -hmm. Fais attention le <laughs> plus euh, <laughs> je sais pas franchement je sais pas Taylor c'est quoi le plus gros défaut d'Yohan il y en a pas il est parfait Oh, ah c'est beau c'est beau toute cette toute cette amitié moi ça me fait chaud encore chaud au corps et au cœur. On, un mot sur sur vous messieurs on a des des questions pour vous d'abord toi Johan, tu es en manque de temps de jeu à Castres hein, de, depuis que tu es là c'est quoi ton tu es en fin de contrat c'est quoi ton avenir pour la saison prochaine. Euh ouais comme comme vous l'avez dit voilà je, je suis en manque de temps de jeu et et c'est sûr qu'aujourd'hui ma priorité c'est c'est d'avoir du temps de jeu donc pour actuellement je je sais pas ce que ce que je fais encore l'an prochain. Donc, euh, donc voilà. Pour le moment, euh, j'ai signé nulle part. Je suis en contact avec avec quelques clubs. Donc, euh, donc voilà. Ma priorité aujourd'hui reste avoir du temps de jeu. Il y, a, il y a pas la formule prêt euh, comme au foot qui euh, qui, qui marche dans, dans ces cas-là, mais c'est vrai que pour, pour pour quelques jeunes joueurs, euh, c'est quand même une formule on... enfin ou même des moins jeunes d'ailleurs. Hein. Oui oui oui, la fonction du du prêt peut être. En plus, on sera sur une période Coupe du Monde, donc euh, voilà, il y a il y a des clubs qui qui, qui recherchent à ce poste, mais euh, le prêt c'est c'est quelque chose qui si on le proposait pourrait marcher. Euh, oui oui, je, je pense que c'est c'est une bonne solution pour avoir pour avoir du temps de jeu donc mais euh, moi le problème de là c'est que je suis en fin de contrat oui. donc je peux pas être prêté il faudrait que je resigne avec le CO pour pouvoir Exactement. espérer un prix mmh. et qu'il y a donc, un changement de staff et voilà et que, voilà ça c'est ça, ouais. quoi, ça. Ouais. si tu quittes Castres, euh, tu auras des, des regrets euh, finalement quand, quand tu regarderas un petit peu ton, ton aventure ici euh, non je j'aurais pas de regrets voilà j'ai au moins j'aurai tenté j'aurais tenté ma chance si je pars voilà, j'aurais bossé et euh, j'aurais vécu de belles choses, notamment avec les titres. Euh, on parlait de la Coupe d'Europe. Voilà, j'aurais vécu une, une, euh, des bons moments. Et, euh, et voilà, non, il faut. Je pense que dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. On tente des choses, ça marche, ça marche pas. C'est comme ça et c'est la vie. C'est un, un message qui est, qui est intéressant pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes joueurs qui sont dans les centres de formation qui veulent faire du, du, du rugby. Il euh, y a peu de pros français finalement, hein, euh, parce que le championnat top 14, il y a beaucoup d'étrangers. Et du coup, c'est dur d'avoir sa chance euh, pff, Oui et non, Des chances, la chance, on peut l'avoir, mais après, c'est il faut la saisir. Euh, oui. Notamment en top 14, as, tu peux pas avoir 50 000 chances parce que euh, forcément, c'est... Le point est précieux. Oui, voilà. Euh, chaque match est important pour pour la fin du, du championnat. donc euh, c'est vrai que dans certaines équipes, ça tourne un peu plus et et, euh, et voilà. Euh, la chance, tu peux l'avoir, mais il faut la saisir. Quoi. Mmh. Taylor, Taylor, toi ta première saison à Castres avait été un petit peu perturbée par les, les blessures. Il n'y avait pas eu énormément de, de temps de jeu. Euh, cette année, t'es complètement intégré dans la rotation. Euh, Est-ce que tu te sens bien dans cette équipe, dans cette ville, dans, dans l'environnement du Castres Olympique Après, c'est pas que je me sentais pas bien l'année dernière. C'est juste. Euh... Tu sais, dans une carrière sportive, c'est tellement, ça se joue à tellement peu de choses que une année tu peux être à l'auto de ta carrière et l'année d'après tu arrives quelque part et as une idée dans ta tête comment tu veux ça se passe et ça se passe complètement l'inverse. Mais euh, franchement, des années comme ça, je, je, je trouve que ça te permet de de grandir dans une façon que si tu se passes bien, tu peux pas grandir dans une cette façon. Ouais c'est sûr que c'est compliqué. Euh, mais après, euh, cette année, ça se passe mieux, autant de niveau de jeu. mais qu'est-ce qui a changé entre l'année dernière et cette année? Euh, je ne souhaite pas te le dire, mais c'est sûr que je suis mieux dans le fait que je joue plus. mais après tout ça, c'est il y, y a pas que le rugby dans la vie. il faut il faut voir ça, ça aussi parce que de temps en temps, on se met tellement dans le truc, tellement dans notre bulle, qu'on voit que ça. mais... Tu sais quand tu vis des autres expériences, c'est pas c'est pas que ça qui compte quoi à la fin. C'est c'est il faut toujours tenir ça en tête aussi. Taylor, Paris et Johan Domenech Mais Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans, dans 100% CO et puis de, de nous avoir euh, raconté, expliqué tout ça. Euh, on vous souhaite bonne chance pour le pour le match, hein. Johan. A priori, euh, toi tu, tu seras donc sur la sur la feuille euh, pour la, la réception de de Gloucester. Euh, toi, Taylor, on devrait te, te revoir du coup peut-être un petit peu un petit peu plus tard pour les prochaines échéances du Castre Olympique. Merci d'avoir été avec nous dans 100% CO. On se retrouve merci. pour l'intégrale Castre Olympique oui. samedi prise d'antenne à 18 h Exactement. Le podcast vidéo disponible sur 100%.com dans quelques minutes à partir de 19h30. Très bonne soirée sur 100%. La suite juste après ça. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sud Auto. Le nouveau Citroën Berlingo disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel.